Alors, tu es fatigué, ma petite? Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Last of Us. J'espère que vous allez bien, j'espère que le dernier épisode vous a plu. Dans le dernier épisode, qui s'est passé, et ben, on a trouvé une dame qui était un petit peu blessée, qui nous a demandé de livrer une marchandise. Et il s'avère que cette marchandise, c'est cette petite garce. Non, mais bon, je pense que ça va sûrement le troubler un petit peu, le petit pépère, parce qu'il faut rappeler quand même qu'il a perdu sa fille, et elle avait plus ou moins cet âge-là, quand il l'a perdue. Bon, alors là il y a des gens morts par terre. J'ai entendu les tirs, mais... C'était quoi? Les Lucioles. Il va nous arriver la même chose si on ne quitte pas la rue. C'est toi l'expert. Moi je te suis. Oui, c'est moi l'expert. Pas de stress, il y a pour un S. J'en ai marre. J'arrête plus de faire des pubs. Donc oui, je sais plus ce que je disais. Donc on doit livrer une marchandise, c'est ce qu'ils ont dit les autres, donc c'est elle. Et on doit l'emmener dans un autre quartier, si j'ai bien compris. Voilà. Qu'est-ce qui se passe là? C'est couvre-feu, donc les gens ils se planquent. Bande de planqués. Ah, là il y a des... seulement le métro, j'imagine. Par ici. Du moins j'espère que c'est le métro. Doudoudoum. Donc c'est vraiment, si je me fais choper alors que c'est couvre-feu. Je sais pas s'ils peuvent nous voir ou quoi, donc je préfère être discret. Mais c'est interdit de sortir, il y a un couvre-feu et donc du coup si je sors, je pourrais me faire... arrêté, jugé par la peine de mort. Où est-ce qu'on va? Là-haut. On pourra atteindre le tunnel nord. Comment tu veux qu'on grimpe là-haut? Donne-moi une minute. C'est une très bonne question. Comment on fait pour grimper là-haut? Y aurait-il un bout de bois, une échelle ou un truc? Ah, non, mieux que ça. Il y a une poubelle. Allez, c'est parti, super force! J'ai une super force. Une super force. Allez hop. Bam. Allez hop. C'est parti. Allez viens. Allez viens pipute. J'espère que ça va pas être un poids pour moi parce que si c'est comme Ashley dans Resident Evil 4, on n'est pas sorti. Ce tunnel, vous faites du trafic dedans? Oui. Des trucs illégaux? Parfois. Et une gamine, ça se fait? Non, c'est une première. Il se passe quoi entre toi et Marlène, au juste? Je sais rien. Je suppose qu'on est amis. Amis? Alors comme ça, t'es amie avec le chef des Lucioles. Alors que t'as quoi, 12 ans? Elle connaissait ma mère et elle a veillé sur moi. Et tes parents, ils sont où? Alors au lieu d'aller sagement à l'école, tu décides de t'enfuir et de rejoindre les Lucioles, c'est ça? Je peux pas te dire pourquoi je dois sortir d'ici, si c'est ce que tu veux savoir. Tu sais ce que je préfère dans mon boulot? J'ai pas besoin de raison. J'en ai rien à cirer de ce que vous préparez, toi et tes potes. Tant mieux. Bien. Elle a un secret. Bizarre doit pas le dire. Je sais pas ce qui doit se passer avec eux, mais... Ça a souvent un rapport avec l'infection. Elle doit avoir un remède, je sais pas. Je suis sûr qu'elle a un truc, un truc comme ça. Et oui. Je spoil pas, hein, parce que je ne sais même pas moi-même. Mais si c'est comme ça, ce serait extrêmement classique. Allez hop. C'est ici. Qu'est-ce que tu fais? Je tue le temps. Et je suis censée faire quoi, moi? Je suis sûr que tu vas trouver un truc. Ta montre est cassée. Ah ben... Il faut pas...
T'as parlé en dormant. J'ai horreur des cauchemars. Ouais, moi aussi. Tu sais, j'ai jamais été aussi proche de l'extérieur. Il fait tellement noir. Ça peut pas être pire dehors. Pas vrai? Qu'est-ce que les Lucioles te veulent, au juste? Hé, désolée d'avoir été si longue. Il y avait des soldats partout. Comment va Marlène? Elle va s'en tirer. J'ai vu la marchandise, c'est énorme. T'es prêt? Ouais. Allons-y. Il pleut. Tu trouves pas ça bizarre qu'il nous confie cette mission? Marlène voulait le faire elle-même. On n'était pas son premier choix. Ni même le deuxième. Elle a perdu beaucoup d'hommes. Elle a pris ce qu'il restait. Ouais, espérons qu'il reste quelqu'un pour nous payer. Il y aura forcément quelqu'un. Ok. J'aime pas trop cette femme-là, je sais pas pourquoi. Allez. Une traître. Je sais pas. Je lui dis encore, hein, j'ai... Bah, c'est pas possible d'avoir joué aussi rapidement le jeu. Surtout que je l'ai eu hier, quoi. Ah, pour moi. Pour vous, pour moi, c'était hier, mais pour vous, c'est sûrement... ça va sûrement faire un moment que c'est sorti. Ok. Merde. Mais je comprends pas trop, là. Bim. Ok, d'accord. Bim. Bim. Générateur. Je suis pro des générateurs, vous savez, vous devriez le savoir depuis le temps. Parce que je n'ai réapparu rien dans Zombie U. Qui nous attend au point de rendez-vous? Elle a dit que des lucioles avaient fait le voyage depuis notre ville. La fille doit être importante. C'est quoi ton problème? La fille d'une huile ou un truc dans le genre? Ouais, un truc comme ça. Ça va être encore long. Si tout se passe bien, on devrait te livrer à eux d'ici quelques heures. Ellie, une fois sortie, tu feras tout ce qu'on veut. Et tu resteras. Ouais, pas de problème. Je peux pas avancer? Ah. C'est mieux. Bon, il va sûrement se passer quelque chose, hein, parce que... Ça va pas se passer comme ça. Allez, grimpe. Encore une porte? Ah non, ceci c'est qu'une planche. Ok. C'est bon, montez. Allez, petite. Fais attention. Ok. Bon. Oh là, c'est là, ce coup-ci, là, on est vraiment sorti. On est en dehors des murs. J'y crois pas. Je suis vraiment dehors. T'as un mec qui marche toujours comme ça. J'ai m'apprécié. Et je marche aussi vite qu'eux, en fait. Je suis votre serviteur. Bon. Non, je suis un homme. Je suis un homme. Alors, hop. Par là-haut. C'est par là-haut, si tu veux. Tout plein de la lumière. Parce que, bon... Public YouTube assombrit les vidéos. Et vu que là il fait nuit, je pense que c'est lui. Oh! N'essayez pas de vous enfuir. Avancez. Tournez-vous, à genoux. Scanne-les, j'appelle le QG. Ok. Les mains sur la tête. Ici Ramirez dans le secteur 12. Demande un ramassage pour 3 vagabonds. Bien reçu. On peut s'arranger. On a largement de quoi vous payer. La ferme. Marre.
Dans combien de temps? Quelques minutes. Désolée. Merde. Je pensais qu'on allait juste les retarder ou un truc du genre. Merde. Regarde. C'est pas vrai. Marlène nous a piégés. Pourquoi est-ce qu'on fait sortir une gamine infectée? Je suis pas infectée. Ah non? Et le scanner alors? Je peux vous expliquer. T'as intérêt à faire vite. Regardez. Je me fous de savoir comment t'as été infectée. Ça date d'il y a 3 semaines. Non, tout le monde se transforme en 2 jours. Alors arrête de mentir. Ça fait 3 semaines. Je vous jure. Pourquoi est-ce qu'elle vous tendrait un piège? Je la crois pas. Merde. Tess, cours. Cours! Debout. Allez, cours! Cours, Forrest, cours! Vite, on se barre. Suivez-moi, vite. Oula, oula, oula. Faut qu'on se barre là. Cours, cours, cours. Cours, 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 cours. Moi je la suis. Hein. Hop. On se plante pour rien. Hein. Allez, on se barre, on se barre, on se barre. Eh, ma précieuse. Allez, allez, allez. Ils sont partout. Et pourquoi ils nous laissent pas sortir? On fait ce qu'on veut, quoi. On sort, on vient pas, puis c'est tout. Oh, y'a de l'eau. Faut-tu réussir à passer? Vérifiez les tranchées. Restez derrière moi. Bah, elle reste pas derrière moi. Clairement pas. Attention, faut pas qu'ils nous voient. Faut pas qu'ils nous voient. À part là, là. On va essayer d'aller par là. Waouh, c'est impressionnant. C'est vachement beau là, d'un coup. Ta-ta-tam. Tu ne verras pas. Tan-tan-tan. Maintenant. C'est chaud du slip. Cours. Hop là. On est passé. Mais laissez-nous sortir, putain, on fait ce qu'on veut. On va mettre un peu de lumière. Pour vous, en fait. Je les entends devant. Alors, ah. On va mettre la lumière. Je pense pas qu'il voit la lumière, mais bon. Alors, il est où? Où est-ce qu'ils sont? Pouvoir magique. Et non, là, on se barre. Cours. Je pense que ça doit être par là qu'il faut aller. Hop là. Ah, c'est bon. On peut passer par là. On a trouvé le bon chemin. Et hop là. Quelle force humaine. Vite, vite. Voilà. Bon. On est passé. Oh merde, une autre patrouille. Planquez-vous. Putain, mais il y a des patrouilles partout, quoi, merde. Ils vont nous lâcher, quoi. Alors. Comment on va faire pour passer? Ils nous ont pas encore repérés. Faisons le tour. Ils nous ont pas encore repérés. Ça donne quoi? Ils sont trop nombreux. Ah, un tiroir. Le mec, il ouvre le tiroir. Hop là, je prends la brique. Merde. Ils sont là aussi. On sait faire diversion. Ok.
Ok, pourquoi ils tirent dessus là? Ils m'ont vu, c'est génial. Je suis trop content. Bonjour! Allez! Ça fait mal. Je crois que je vais mourir, hein. Là, ce coup-ci, ce sera le premier game over. Ah merde, je pensais que c'était un. C'était la fille en fait. Mais non, mais on peut pas vous battre, hein, je pense. Eh, j'appuie sur le triangle. Tiens! 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 Dans la gorge! Carotide! Dans la carotide! Ah, je suis mort. Attaquer aux ennemis, effectivement. Ok. Mais ils m'ont repéré sans que je m'en rende compte, en fait. Donc, en cours. J'ai dit en cours. Et on va acheter un caillou. Et on va acheter un truc. Par là. Eh, hey, ils m'ont vu, mais comment ils font pour me voir, là? Putain. Vous êtes lourds, là. Vous êtes lourds, les mecs. T'es où, toi? Mais ils ont des gilets pare-balles et tout ça, on peut pas les tuer, là. Putain! Bon, allez. Je vais faire exprès de mourir. Ça sert strictement à rien. Où sont les autres, là? On va essayer de se soigner un petit peu. Si je peux. S'ils mettent le temps. C'est bon. Alors, il est où l'autre? Bonjour! Oh! Bonjour, j'ai dit. Bon, allez. Tiens! Une brique. Oh, bah alors. Wouh! Je suis là! Bonjour! Tiens! Et c'est moi! Je vais le tuer avant. Merde! Ah! Le mec a une mitraillette, quoi. À se planquer. Je vais mourir, hein. Encore un coup, je suis mort. Voilà, je suis mort. Mais j'arrive pas à être discret. Alors... Bon, alors déjà, je sais qu'il faut aller par là, hein. Ils sont super nombreux, je vois même pas comment faire pour les laisser, mais bon. On va aller par là. Je vais même pas prendre la brique parce qu'ils vont me voir. Je sais pas par quel miracle ils vont nous voir, mais ils vont nous voir. Cœur torche pourri, hein. Bon, en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'ils voient pas les autres. Bon. Il y a un peu d'incohérence dans le truc, mais... Alors. Il fait le tour, hein. On va pas les voir, vous en faites pas. Il bouge plus de là. Bonjour. Et enchanté. Allez, on utilise le sur un. Comme ça, il est mort. Voilà. On peut passer maintenant. Ah ben, j'ai apporté l'autre. Oula, 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 oula. Il y en a un ici. T'as pas laissé tes copains, t'as pas tiré le feu. Tiens. J'espère que ça a pas alerté les autres, logiquement, non. Putain, mais what the fuck. Et on se bat. On se bat. Voyez votre cul. Je pense qu'on peut se sauver. Vite, vite, vite. Saute, Forest! Je sais que c'est court, Forest, mais là j'ai dit saute. Elles ont suivi les autres? Bah voilà! Faut pas faire le bourrin, c'est tout. Allez, on se bat. Ouf, oula, caméra. Ok, bon, on est réussi à passer, au bout de trois fois. Ouais, ça doit être ça. Mais bon, ils m'ont repéré alors que bon. Au moins, on n'est pas sous la pluie.
Il m'a repéré alors que j'ai rien fait de spécial, je l'ai tué, il a même pas eu le temps d'ameuter les autres. C'est injuste. Merde, encore des soldats. Oh putain. Ils vont nous lâcher ou quoi les soldats? Je crois pas qu'ils nous aient vus. Restez dans l'ombre. Oui bah je suis dans l'ombre. Merci. Hop là. Alors. Je pense que c'est par là qu'il faut caler. Il faut caler, oui. Okay. On va quand même essayer de fouiller un peu. Parce que j'ai plus du tout. Ah bah si, j'en ai encore. Ah oui, je l'ai pas utilisé. On est en sécurité ? Non. Ils sont encore dans le coin. Oh ! Des trucs. Je sais pas ce que c'est, mais c'est des trucs. Compris, chef. Open the door. Et y'a rien dedans. C'est génial. À part de la rouille, y'a pas grand chose. Ah. Et ici. Un truc comme ça, je sais pas ce que c'est. Et ça. Ok. Bon, allez. On continue. Ah, à chaque fois, je me gourde de boutons pour sprinter. Tess, en haut, dans ce conduit. On doit pouvoir passer par là. T'éloigne pas. Il y a rien, non? Ok. Allez, où? Oui, à l'eau, je pense qu'il y en aura un peu plus. Je n'inspire pas confiance. Surtout dans Alien. À un moment dans Alien, il y a une scène comme ça dans l'eau. Allez. Hop. Ils sont partis. Bon. C'était quoi le plan? Imaginons qu'on t'ait livré aux Lucioles comme prévu. Et après? Marlène, elle a dit que... qu'ils avaient leur propre zone de quarantaine. Avec des docteurs qui travaillent sur un remède. Ouais, on a déjà entendu ça, hein, Tess. Et que... quoi qu'il me soit arrivé, c'est... la clé pour trouver un vaccin. Oh, je rêve. C'est ce qu'elle a dit. Oh, mais j'en doute pas. Hé, hey, je t'emmerde. J'ai jamais demandé ça. Moi non plus. Tess, tu peux me dire ce qu'on fout ici. Et si c'était vrai? J'arrive tant. Mais pense-y. Joël, enfin, maintenant qu'on est là, autant en finir. Tu veux que je te rappelle ce qu'il y a dehors? J'ai compris. Par ici. En coupant par le centre-ville, on atteindra le Capitole à l'aube. J'espère. Mais on est dans quelle ville, là, en fait? Ça, c'est pas New York. Du moins, je ne pense pas. La route 90. Je ne sais pas. J'en ai aucune idée. Je connais pas la géographie américaine. Of course. Yes. Let's go, ok, yes. Bon. Oh, je sais pas. Ils ont dû le dire à un moment donné, peut-être pas fait attention. Bon, on est sorti, on a plus de problème avec les... Pff, quoi que si, ça ressemble... Putain, mais regardez ça. Alors. Ouais, carrément. Ils ont largué un maximum de bombes autour des zones de quarantaine. Pour essayer de tuer le plus d'un. Tess, t'entends ça? Ouais. Mais ça venait d'assez loin. Merde. Bon. Pour l'instant. Allez. On va commencer à se rattaquer vers des monstres maintenant. Je pense pas que je pourrais les avoir avec les points. C'est super haut. L3. Bon, voilà le Capitole. Ok, juste. Ouais. On va devoir faire le tour. Ah, ça. C'est le centre-ville, ça? C'était.
C'est plus qu'un vaste terrain vague. Capitole, je ne sais plus où c'est. On saute comment? Est-ce qu'il faut qu'on saute? J'appuie sur le bouton, j'ai plus le temps. Ah, voilà. Hop là. Je sais pas du tout où je vais. Mais ça ressemblerait peut-être... Par ici. Apprécié. J'arrive pas à chaque fois. Bon, allez. Ta-ta-ta. Ouais, par ici. C'est bien drôle tout ça. Y'a rien à récupérer? Souvent on est toujours récompensé quand on explore dans des jeux comme ça. Ça me déçoit. Ok, tant pis. Allez Zou. Cours. Vous avez vu son arme, elle est dans sa poche. Il a pas d'a... il est pas dans son sac à dos, il le sort comme par magie. C'est cool. Tu vois quelque chose toi? Continue. Quelque chose? Contente-toi de rester avec elle. Oui, chef. Alors, la petite arrogante. Putain, mais je passe par où, là? Faut que j'aille où? Bitch. Ah. Ah, mais dans l'immeuble, peut-être. Hop là. Alors... Hey, Tess. J'arrive. Une porte. Oh, de l'eau. Je prends une petite douche. Oh, ça fait toujours du bien. Dis donc, j'ai fait un tour. Génial. J'imagine que c'est par là. Ah, mais arrête de faire ça, je veux courir à chaque fois. On va aller par là. Il s'est fait massacrer. Oui, mais par quoi? Le corps est encore chaud. C'est une mauvaise idée. Ouais, peut-être bien. Prenons pas ici. Le corps est encore chaud. On va se faire attaquer. Par des bébêtes. Ah. Là, il y a quelque chose. Hop, voilà. Je sais pas à quoi ça sert. On va sûrement le voir plus tard. Pour l'instant, je ne sais pas. C'est pas par là. Ah, je bouge beaucoup la caméra. Hein. Je suis désolé. On va grimper en haut de l'immeuble. Hop là, on prend le truc. On va juste regarder vite fait. Alors. Zoomer. Et lire. Ok. On dirait que ces types sont morts en attendant les renforts. What the... Ah! Ah, c'est dégueulasse! Si on veut... Oh, c'est vraiment immonde! Ils ont des champignons. Allez, pousse! Il y a des spores là. Fais gaffe. Oh, des rats. Des rats. Ah, c'est dégueulasse, c'est des champignons qui leur poussent à la gueule. C'est vraiment dégueulasse. Ça va être vomi. On dirait que tout le bâtiment est sur le point de s'écrouler. Oh, coup de ciseaux. Voilà. Oh, un truc. Ah, d'accord. Attention à la tête. Je peux améliorer mes compétences en survie. Alors, est-ce qu'il y a des gens? Non, c'est bon. Ah, pour l'instant, en tout cas. Il faut pas de bruit. Mais non, on est dans un immeuble complètement complètement défoncé. Tout va bien, jusqu'à maintenant. Pas de soucis. Donne-moi un coup de main. Allez, c'est parti. Oui. Oh. Oh. Des vibres. Appuie sur select pour confectionner. La vache. Ah, il en faut 50.
on peut faire des couteaux. Hop là. Ok, on peut crafter des choses. Ça, c'est sympa. Alors, là, il n'y a rien. Il y a une brique. On va la prendre. je gourerai toujours le bouton, j'ai l'impression. Ah, une porte. Avec de l'eau. Ça peut toujours servir, je pense. J'ai rangé ma... Qu'est-ce qu'elle fait? C'est du café. Tiens, remets-toi sur pied. C'est sympa. Non. Non, je ne veux pas me mettre sur pied. Ouais, je vais le faire quand même. Hop. Ah, je peux crafter aussi des kikidikos. Ok. Allez, hop. C'est parti. Non, j'ai dit hop, c'est parti. Voilà. Je sens qu'on va se faire attaquer. Clac. Ah, du coup, on perd un truc quand même. Un opinel. Oh. C'est quoi? Des bellules. Oh, c'est triangle. Oh, plein de trucs. Donc, en fin de compte, tous les trucs que je récupère, c'est pour crafter. Franchement, c'est sympa ça. Je regarde ici, là-bas. Il y a des choses ailleurs. Là, c'est bon. Ah, un truc là. C'est une bouteille. Hop là. Fuck! Oh, ça casse même pas la vitre. C'est dommage. Bon, allez. Zou. Pas poussé? Ok. Ah non, c'était juste une petite zone pour avoir du matos. Ça marche. Saute, je sais pas. Pourquoi ils sont comme ça, comme des cons là? Oh, vous êtes débiles ou quoi? Hop. Ah. Il y a un truc par là. Il y a rien à récupérer. Je comprends pas ce qu'il faut faire avec le machin, mais bon. Ok. Hop. On dit que c'est pour recharger la. Regarde s'il y a un moyen de passer. La batterie. La batterie. La lampe. Hop, oh, pardon, aucune manette est connectée. J'ai débranché parce que je l'ai mis à recharger. La voie est libre. Allez, Ellie. Ok, à ton tour. Bon. Allez. Ok, je vais me faire attaquer là, je le sens. Bon. Tu m'aides maintenant? Allez, mon grand. Oh, 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 la gueule. Contente? Bien. Non. Ça, ouais. Par là. Je crois qu'il nous chope cette saloperie. Par là. Ok, enfin je crois qu'elle a plus Dieu, parce qu'il y a des champignons à la place. Et que c'était remplacé. Et qu'ils sont attirés par le bruit. Tiens. La gueule. Allez, va par là maintenant. Je pense que c'est bon. Je vais reprendre un. Ça. Ah, sont toujours là-haut, elle. Aïe, hop. Ok, sympa. Effectivement, c'est pas des zombies. Je crois que c'est bon. Ellie, tout va bien? Tout va bien. Elle s'est pissée dessus, n'importe quoi. On va où maintenant?
Bah, faut sauter, hein. Hop là. Et on peut plus faire demi-tour. Ah. Juste une minute. Yes! Quelle force surhumaine! Mais quel homme! Et voilà, mesdames. Ok. Allez. Hop là. Ils auraient dû le faire se baisser automatiquement. Quand... L'escalier est bloqué. On fait quoi? On remonte? Bah non, on va à la fenêtre. Vous êtes à la fenêtre là. Faut pas regarder en bas. T'es sérieuse? Allez, fais pas ta chouchoute. C'est l'apocalypse après tout. Hop. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Non, il n'y a plus de batterie. Hein. Oh, c'est parti où? Ils ont sauté carrément? Putain, mais... Moi, je fais pas leur poids. Hein. Il est fort probable que... Ça se défonce. Hop là. Voilà, tout ça pour passer un escalier. Bah, après tout, on n'aurait pas trop le choix, mais... C'est quand même chaud. Ça fait un moment que je filme là. L'épisode va durer. Va commencer un petit moment. Va commencer à être long. Mais c'est possible que je fasse des épisodes longs hein, sur cette série. Parce que tout simplement j'adore jouer à ce jeu et j'ai pas envie de m'arrêter tout de suite. J'ai un nouveau revolver. Revolver. Alors. Ok. D'accord, bon. Changer. Attends, maintenez pour changer. Hop. Ah ouais, c'est en plein truc, quoi. C'est chaud. Alors, je maintiens. Et je choisis l'autre. Voilà. Putain, pour changer d'arme, ça va être chaud time. Je vais aller voir. Reste avec la fille. Ah, par là. Est-ce qu'il peut sauter? Est-ce qu'il peut faire le fifou? Non. On va prendre ça par contre. Ah, pour changer, je préfère la barre. Hein. Je préfère la barre. J'ai rien pour les distraire. Hop. Et on les trompe. Parce que je pense qu'ils se transforment. Oula. Effectivement. Il s'est transformé, le petit coquin. Voilà, t'es mort. Oh merde. Ça, c'est pas bon, ça. C'est pas bon du tout, même. On va acheter un truc par là. Alors, ils sont tirés ou pas? Putain, ils en ont rien à foutre. Par là. Oh putain. Alors, ils ont pas entendu le bruit. Mais ils sont super nombreux. Oh merde, j'ai crevé là. On est d'accord. On va essayer avec mon arme. Bon. Oh, ils sont plus rapides que prévu. Tiens, 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 tiens. Bonjour! Tiens! 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 Oh! Ah! Là c'est mort. Merci! Au revoir! Bon. Mais j'ai pas compris. Comment dire? Changer. Donc lui, je peux m'approcher de lui sans trop de crainte. Et l'étrangler. Non, mais la tête qu'il a, quoi. Ah, il y a des balles. Mais ils sont super résistants. Au final. Brurik. Hop. Et je vais les lancer. Parce que je suis un fou. Hop!
Par là maintenant. Et je passe. Elle est où la truc? Ok. Il y en a d'autres ou pas? C'est chaud là, je stresse. Heureusement ils sont super bruyants. Oh merde. Par là. Bande de cons. Ok. C'est sympa, ça passe pas à travers les barreaux. On se barre. Je suis très discret. Hein. Ouais. Pas tant que ça en fait, mais. Ok, c'est sympa. Laissez-moi. L2. L2, c'est quel bouton L2? Putain! Ah! Ah, merde! Oh, c'était chiant là! Pourtant, j'essaie d'être discret quoi! Bon, une dernière essai. Et après, on se laisse. On se laissera. T'énerve pas? Hé! Mais laissez-moi! Putain! Ils sont nombreux! Ramasse la brique! Et balance-la! Putain! Mais fuck! Bon, je suis encore mort, hein. Oh! Bon, allez, ça là, ça compte pas parce que. Parce qu'il m'a. Il m'a spoté alors que j'ai. Alors que d'habitude, il me spotte pas. Allez, hop! Et je t'étrangle. Déjà, ça c'est fait. Rêve. Ok. Bon. On va prendre une briquette. Et on va l'acheter. Par là. Donc normalement, ils vont être attirés, logiquement. Ok, ça c'est bon. Ça se passe bien. Hop là. J'espère qu'il va pas m'attaquer parce qu'il a compris que c'était par ici ça venait. Hop. Je sais pas vraiment où faut que j'aille, mais en tout cas j'y vais. Une batte. Faut que je me fasse un par un, vous croyez? On va essayer. Ok. Oh putain, one shot. Et c'est... Allez, une dernière et on se laisse. Eh mais attendez là, c'est quoi ce bordel? Alors j'essaie de me concentrer un petit peu. Bon, lui je peux le tuer. Donc les autres on peut pas les tuer, on peut pas s'approcher d'eux. En tout cas on peut pas les tuer comme ça. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va faire diversion. La brique. Oh, elle fait chier quoi. Comment on fait pour équiper la brique? Ah d'accord. Hop là.
Hop là. Là, on peut pas les tuer, on est d'accord. Je suis pas fou. Alors là, je suis super silencieux. Donc j'ai rien à foutre là-dedans, en fait. Pourquoi vous allez vers moi, putain? Ah, parce qu'il y a des yeux, lui, c'est pour ça. Ah! Vite, saute! Ils peuvent me suivre? Crève! Oh! Non! Ok, j'ai compris où faut aller. Bon, je suis désolé, hein, la qualité de l'épisode va pas être terrible. Parce que je fais pas grand chose. Mais j'ai compris où faut aller. Alors, déjà, tu te crèves. Ça fera plaisir. Donc, j'ai quand même compris où il faut aller. Donc, bouteille. Diversion. Briquette. Diversion. Ah, putain, ils m'ont l'air moins nombreux d'un coup là. Oh, il y en a un qui a ses yeux là. Oh putain, allez vous faire foutre. Alors, ils sont là. Hop là, esquive. Ils ont entendu quoi? Oh oh. Non. Putain. Bon allez, si j'y arrive vraiment pas, on va se laisser là. Parce que ça a duré assez longtemps comme ça. Allez! Cours! Ouais, le gros dangereux! Qui me one-shot, je sais pas où il est. Et je vais pas le voir. Ma technique c'est taper et courir. On verra bien ce que ça fait. Ah, ils m'ont perdu. J'ai perdu ma trace. Oh, je déconne. Ok, ça marchait. Allez. C'est bien. T'aurais pas pu faire plus discret ça, par contre. Oh, merde. Il reste plus que lui ou il y en a encore plein de... Il y en a 26 encore. Bon, c'est crève alors. Oh non. Oh shit. J'avais plus d'armes. Ah non mince. Bon. Oh!
Ok, je pense les avoir tous les avoir tués ce coup-ci. J'ai fait une ellipse parce que j'avais pas trop le choix. Ok, montez. Putain, j'étais obligé de tous les tuer, quoi. C'est quand même assez chaud. Tu m'impressionnes, Joël. Tirons-nous d'ici. Tu parles d'impressionner les gens. J'en ai rien à foutre. T'as le cliqueur, en fin de compte, il... Bah, je sais pas pourquoi j'appelle comme ça. Il nous one-shot, quoi. On peut pas... Dès qu'il nous approche et qu'il nous touche, on est mort. Donc c'est quand même assez chaud, au final. Alors, est-ce que j'ai encore un truc dans la poche? Non, donc je vais prendre la bouteille. Ça peut toujours servir, parce que j'ai l'impression que l'espèce de machin qui ont pas de tronche... Bah, ils sont intuables. Mais pousse-toi, jeune. Bon, allez, on va se laisser là, les amis, parce que je pense que l'épisode va durer un petit peu plus longtemps que... Bah, non, ça va être un petit peu long, donc du coup, on va arrêter là. Mettez un petit j'aime, un petit commentaire si cet épisode vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Et pour voir la suite aussi de ce magnifique jeu, surtout. Et donc, je vous dis à la prochaine, les amis. Ciao. Oh, non. And it's